Je suis installatrice de réseau KB de communication. J'ai fait un bac pro électrotechnique. Ensuite, j'ai fait un BTS système numérique, informatique et réseau. Comme je ne trouvais pas de travail fixe, donc j'ai été contactée par ma conseillère de la garantie jeune pour m'informer qu'il y a une réunion sur la fibre optique. Comme je ne connaissais pas la fibre optique, je me suis rendue à la réunion. Ils nous ont expliqué. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, je vais intégrer cette formation. Cette formation était hébergée par le Hub Tesla, qui est un centre spécifique à la formation de la fibre avec le nouveau matériel, les nouveaux lotissements. Tout est connecté et donc parfait pour bosser dedans. Ça a duré 6 mois, donc 4 mois intensifs et 2 mois de stage. J'ai appris la base de la fibre optique, souder, lever, les techniques par rapport aux normes des opérateurs. Suite à la formation, au bout des 6 mois, j'ai obtenu mon diplôme, qui est une certification reconnue par l'État. Dans ce métier, il faut savoir qu'on a beaucoup de déplacements, donc le permis, c'est super important pour aller chez les clients. Et comme je n'avais pas le permis, le Hub a réussi à me financer mon permis, qui est en cours. J'ai été contactée par une entreprise qui s'appelle Scopelec, qui m'a proposé un CDD de 3 mois, en me laissant le temps d'avoir le permis. Et donc, si tout s'est bien passé avec eux et que j'ai obtenu mon permis, normalement, j'ai un contrat en CDI. Voilà.